Alejandro Valverde, c'est Valverde qui est tombé. Same spot, same corner. Et il ne se relève pas, surtout Alejandro Valverde. Une chute, une énorme chute à l'avant du peloton même. Et Christopher Froome qui est tombé. Et Christopher Froome également. Eingebaut offensichtlich. Nein, jetzt kommt er. Da ist noch mal die Lücke. Komm Marcel, tritt rein. Ja! L'effort, Sagan, il attend la bonne distance pour y aller, quelque chose. Sagan pulled his foot. Sagan still going. Matthews is on his way. Sagan. Peter Sagan qui s'impose devant Michael Matthews. C'était juste. Only just, but just is enough. The peloton, the yellow jersey has gone down. Arnaud démarre également, attention, c'est lui, Arnaud démarre, il y a peut-être la plateau passée avec une chute également. Cavendish goes into the barriers. Ce sprint est très très houleux, Arnaud démarre qui va aller s'imposer. La première victoire d'Arnaud démarre sur le Tour de France, c'est vrai. Très facile attaque de Fabio Aru. The cadence, here goes Froome himself. Et Geraint Thomas qui cède le maillot jaune qui va changer d'épaule aujourd'hui selon toute vraisemblance et avantage à Christopher Froome. Alberto Contador is struggling. Et Contador lâche aussi. Et Alberto Contador distancé sur cette montée sèche. Quintana has lost contact. He swings off to the side. C'est l'attaque de Christopher Froome désormais. Port can stick with him. Romain Bardet fights on. Quintana is gone. Crash! And Port is down. So too is Dan Martin. Richie Port is on the deck. Dan Martin is with him. Rigoberto Urán, Romain Bardet. Urán toujours en tête devant Warren Barguil qui remonte. Warren Barguil pour la victoire d'étape. Urán Barguil, je crois que le c'est. It's not Barguil. Rigoberto Urán. Victoire d'étape.
se faire reprendre vraiment dans le sprint. Ouais, il va se faire reprendre à l'instant. C'est bravo, Mathias Bodnar repris à 250 mètres de l'arrivée. Bodnar, kurz. Mach geht es tatsächlich zum fünften Mal. Ja, wird gewinnen. Und wie? La cinquième victoire d'étape de l'Allemand. Overshoot on the corner, and that's Chris Froome. How quickly it can change for the yellow jersey. And the Italian champion, Fabio Aru, is with him. Avec Fabio Aru qui s'écarte. Et oui, Christopher Froome qui a compris l'accélération du champion d'Italie. Aru keeps looking, keeps pushing. It's so steep. Bardet's coming. On est sur les pourcentages les plus difficiles. Bardet now comes forward. Oh, Bardet là! The yellow jersey of Froome. He'll lose a little bit of time. Oh, Bardet qui est passé et qui va s'imposer la victoire d'étape peut-être pour Bardet. Oh, largement. It's Bardet. Son maillot. Et il va perdre son maillot, Fabio Aru, maillot jaune. The new race leader will be Fabio Aru. Chris Froome attacks. Froome qui accélère. Et nouvelle accélération et de Christopher Froome avec dans sa roue Fabio Aru, le maillot jaune imperturbable aujourd'hui. Froome is going again. Michael Matthews devant Greyman Avermaet pour la victoire. From the hip and the shoulder, the yellow jersey now is losing time. Eh oui, le maillot jaune qui est là à l'agonie. Fabio Aru will not be in yellow. Chris Froome is the new late race leader. Serious pressure. Alors que Christopher Froome n'a rien cédé à Romain Bardet. And the right side was the best side, and only two of them have chosen it. Ah, bien joué stratégiquement. C'est Sébastien Haggen qui est parti. Eddie the Boss. Yada 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 yada. La 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 la. And here is Romain Bardet. Second overall at the moment. Et qui est toujours en retard hein, sur Rigoberto Urán, malheureusement. Pour Romain Bardet, la deuxième place est en train de s'envoler. Reste maintenant à préserver cette troisième place et à résister au retour de Mikel Landa. He will save it by 1 second. Mesdames, messieurs,
the Place de la Concorde. Final corner. La dernière ligne droite de ce Tour de France. Groenewegen is the first to go. Groenewegen toujours en tête avec.